Oh bah oui, bah alors là ça confirme bel et bien qu'il reste une dernière menace et qu'on va vraiment, mais vraiment autant galérer hein, en fait que dans le dernier épisode. Eh bien salut à toutes et à tous l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode déjà de cette aventure sur Far Cry Primal. 20e épisode et à la fois je trouve que c'est pas beaucoup et à la fois je trouve que c'est beaucoup. C'est très bizarre. C'est une sensation très bizarre qui me ronge actuellement, qui me ronge hein, si je puis dire. Alors aujourd'hui pour cet épisode, comme convenu, on va faire un épisode un peu plus chill quand même que le dernier, parce que bon, ça va la comédie. Alors, j'avais proposé qu'on aille visiter toute la zone ici pour boucler cette zone. Et en même temps, on pourrait boucler cette zone là, parce que on a toujours pas bouclé cette zone. Alors en vrai, on a exploré les deux grottes. Il y a juste deux lieux inconnus. Et c'est tout. Alors après il y a les missions secondaires, messieurs dames, les missions secondaires, je suis absolument navré, mais... Et en vrai, après c'est une petite zone là. Hein. C'est une petite zone. Les difficultés sont moyennes. Et ça va se passer dans cette zone. Et les gars, venez, on commence l'épisode, on fait tout ce qu'il y a dans cette zone. Il y a 4 missions et 2 lieux inconnus. Et c'est tout. Allez. On commence cet épisode comme ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. N'oubliez pas le like évidemment, très important pour encourager. Et j'avais oublié l'ambiance qu'il y avait ici. Ah c'est top ça, j'avais oublié. Alors, ah oui alors par contre c'est vrai que je n'ai plus aucune ressource. Ce qui est quelque peu embêtant. Est-ce que dans le coffre on peut récupérer du bois? Oui il y a des bâtons, c'est bon. On récupère du miel etc, des feuilles rouges. Des petites roches ici et là, de la peau de lion, des cavernes, de poissons crocs rouges. Et là normalement ça va un petit peu mieux. Voilà, petite sagaie, bon je suis au max. Les petits couteaux, les petites bombes à piquant, les bombes à feu, les appâts. Si on peut apprivoiser les animaux qu'on n'a pas, ça peut être très 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 stylé. Et on est parti et on a un événement juste en dessous, donc on va en profiter. Bref, cet épisode va être très sympa. En vrai, c'est vrai que l'avantage de cette map, c'est qu'à la fois elle est grande et petite, et en même temps, t'as vu cette zone, elle est tellement petite, c'est une zone reculée qu'on peut faire toutes les missions sans que on nous emmène je sais pas où, tu vois ce que je veux dire. Alors je réfléchis à une action qui pourrait être stylée parce qu'on est là pour on est là pour s'amuser, ouais. Hop là ah. Et voilà, ça c'est fait. Je vais te détacher parce que je pense que l'autre il est finito. Voilà. Hop. Et ça c'est une belle action de notre part évidemment. Si j'avais pu ne pas me faire cramer ça aurait été encore plus stylé. Mais en vrai voilà c'était l'action que je voulais faire. On est là. On va faire dans l'ordre. Choc tribal, mise à mort. Allez c'est parti. Allons-y gaiement, qu'est-ce qui se passe? Mais alors Bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Et on continue d'augmenter la populace. Ça ça fait plaisir évidemment. On profite aussi pour récupérer des ressources parce que on a quand même perdu énormément de ressources durant notre boss, Batari, et on en aura besoin davantage pour les, pour le dernier boss, pour le second boss. Je sais même pas si c'est le dernier boss en fait. Hein. Voilà, on sait juste qu'on a deux boss. Donc voilà, je suis là, ma ref. Monstre Udam tue Wenja. Oh non, la flemme. Ah mais ça m'a rajouté une quête en fait. Ah bah c'est là-bas du coup, oui. Allez, on y va. On y va. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est une partie de map qui est quand même serrée. Donc voilà, ça peut pas être à l'autre bout du monde. Plutôt pas mal. Vous avez vu le headshot que je viens de lui mettre dans sa... Bah dans sa tête, hein, c'est le principe finalement d'un headshot, j'ai envie de te dire. Eh ben j'ai plutôt kiffé. Voilà, j'ai apprécié ce moment. Toujours un bonheur. Allez, allons-y gaiement. Allons-y gaiement, les Udam me font peur. Et mine de rien... parce que je vous rappelle qu'on avait deux ennemis. Les Udam et les... et pas les Batari, les... comment ça s'appelait en terre? Oh, j'ai oublié comment s'appelle cette zone là. Mais bref, eux maintenant c'est fini. Mais il reste plus que les Udam là-haut là. Voilà, c'était la petite parenthèse. Oh! Cache de chasseur. Ah oui, bon ça vous m'avez expliqué. Hein.
C'est pas... Ça c'est les lieux inconnus de toute façon qu'on va trouver sur le chemin après, vous inquiétez pas. On s'en fout. Est-ce qu'il y a... Attendez, pardon, c'était ça aussi. Est-ce qu'il y a des mains d'Aïcha? Bon, là, les grottes, c'est exploré. Il n'y a pas de mains d'Aïcha. On a fait toutes les mains d'Aïcha dans la zone. C'est bon, ok. Comme ça, les gars, on n'aura plus besoin de revenir ici. Mais alors, du tout, on y reviendra, mais alors, plus jamais. Et ça, c'est cool. Et ça, ça m'excite. Voilà. Hop. Alors, ça se passe ici, visiblement. Est-ce qu'il y a des méchants? Pas du tout. Des chasseurs Udam tuent des Wenja dans la zone. Éliminez le chef Udam puis fouillez-le. Et il faut rester discret. Ok. Bah du coup reste discret. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire dégage. Bonjour. Mais en plus on était déjà dans cette grotte, souvenez-vous. Et il y a deux chefs à tuer. Mais vous plaisantez. Je vais garder la saga hein, parce que putain c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est mortel ça. Alors. Voilà. On a déjà exploré cette grotte, ça me tabasse. Tu vois, on aurait pu faire un 2 en 1 à l'époque. Je sais plus c'était à quel épisode. On aurait pu faire un 2 en 1. Tant pis. C'est pas grave. Mais je me souviens que cette grotte m'avait saoulé aussi. Allez, on essaie de rester bien discret. L'idée, c'est de pas se faire cramer. Ok. Ah oui, je m'en souviens maintenant de cette grotte. Absolument. Absolument. Oh là, pourquoi il tousse? Il est malade? J'ai pas envie d'être contaminé, hein. J'ai pas envie de choper quelque chose, hein. Ok. Bon. La descente est longue. Et bien alors? Ah! Bon, lui, c'est pas un chef. Lui, c'est pas un chef. Bon, à mon avis, je vais cramer mon infiltration, hein, si vous voulez mon avis. Parce que là, ça, c'est déjà trop lent pour moi. Allez, tais-toi. Chut. Voilà. Éviter d'être repéré. Bah oui, oui, je veux bien. Je veux bien. Mais je vois déjà personne. Oh, bah lui, il m'a vu. Lui, il a failli me voir. Ah, là. Ok, ah oui. Lui, il appelle les renforts, lui. Ah, ah. Hop! Magnifique! Elle était belle. Elle était belle. Ah! Alors. Alors. Je sais pas comment faire pour rester discret. Je peux pas. Ouais, bah, je peux pas appeler ma chouette. Bon! C'est eux les chefs? Ah là il y en a un. Ça c'est un chef. Ça c'était un chef. Je sais pas où est le deuxième. Faudrait que je... Ah non c'est pas ça que je voulais faire. Faudrait que je puisse monter. Putain. J'ai envie de faire ça discrètement les gars. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir aussi. Là. Je peux pas. Ça y est. J'ai capté. Allez, allez, allez. Ok. Oh. Oh là. Bah, y'avait un gars là. Oh là. Bon. Dans ta gueule. Ils ont rien vu venir. Ils ont rien vu venir. Hop! Dans ta gueule. J'adore les sagaies. Bon, ils m'ont pas vu en vrai. Hop! Voilà, et 2-1. Et 2-1. Ouais. Les sagaies, c'est vachement mieux. Hein. Ah ouais. Oh j'ai trop le seum. Bon bah j'ai foiré la mission. Eh hey, mec. Meurs. Oh ouais. Meurs. 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 Aïe.
à quelle heure? Mais attends, à quelle heure? Il meurt pas lui. L'autre avec la sagaie, je l'ai one shot. C'est quoi cette histoire? Meurs! Meurs! Aïe! Voilà. Alors, je te fouille. Oh non. Hop. Ouais non mais là. Aïe. Alors attendez, de toute façon je vais descendre. Oh là là, c'est la cata. Et l'autre. Hop, le plongeon évidemment. Non mais je veux pas aller là moi. Hop. Voilà. Au pire je les tue pas, on s'en fout. Faut juste que je fouille. Voilà. Hop. Et voilà. Fuyez ou tuez les autres. Eh bien, je vous propose simplement de fuir. C'est par ici. Voilà, on va les laisser tranquilles. On aura fait notre petite mission. On va les épargner parce qu'on est des gens gentils. Mais vas-y, ça m'énerve là. J'ai fait tout discret et j'ai réussi à foirer quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, ma foi. C'est pas grave. Allez, on se barre. C'est une bonne mission d'effectuer. C'est par où la sortie là? C'est par ici, hein. C'est par ici. Absolument. Absolument. Et voilà, je vois la lumière du jour. C'est un bonheur. Très effrayant. Et voilà, ça c'est fait. Et en plus, on a des ressources d'armes envoyées comme récompense. Allez, on enchaîne directement. Eh bien, juste à côté avec aider les Wenja, sauver le prisonnier. Ça se passe ici. On y va directement de ce pas. Voilà, on va enchaîner un petit peu. On va, comme dit dans le jargon, on va speedrun un petit peu le jeu. Voilà, nous sommes un petit peu des speedrunners. Mais on fait ça bien quand même. J'espère que ça va vous plaire cet épisode. Voilà, je vous le dis, ça change vraiment des autres. Mais on a besoin de temporiser, en même temps de se faire du stuff, d'explorer la map. Et voilà, de faire un petit peu de secondaire. Parce que, bah, comme dit, en vrai, sinon on finit le jeu mais super vite. Et pas de fond en comble réellement, quoi. Attendez, j'ai envie de faire des dingueries là. À la one again! Paf! 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 Ouais! Allez! La quadruple! Oh, c'est bon ça! Ça fait plaisir, bordel! Ça fait plaisir! C'est ça qu'on veut sur Far Cry! C'est ça qui me redonne envie de lancer Far Cry 5, de lui redonner une chance! Mais ne vous enflammez pas, ce n'est pas prévu! Mais quel bonheur! On dit que Far Cry c'est répétitif, mais est-ce que c'est pas kiffant de répéter cette action? Paf! Aïe! Ah, il m'a eu. Hop! Ah, il m'a eu avec son poison, le salaud. Par contre, je vais juste récupérer, tu m'excuseras, ma sagaie. Je peux pas récupérer ma sagaie, j'ai trop le seum. Elle est là. Voilà, c'est bon. Ah! Ok. Ok, ok. Va-t'en. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais, c'est ça. Ah, 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 tu fais moi le malin, hein. Dégage. Allez, ça se passe ici, messieurs, dames. Monsieur, bonjour. Des cueilleurs Wenja ont été capturés par des pillards ou dames. Libérez les prisonniers. Restez discrets ou les otages seront tués. Les Wenja secourus rejoindront votre village et augmenteront la population. Et surtout, je gagne un point de compétence, les gars. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est qu'on gagne des points de compétence avec ces conneries. Faut les faire, ces missions, réellement. Atteignez les prisonniers. Regardez, c'est juste ici, de nouveau. On est passé à côté. Bizarrement, il n'y avait personne. Hein. C'est quand même assez rigolo. Mais c'est la magie de Far Cry. Voilà. Alors, j'entends crier d'un coup. Complètement dingue. Il me faut de la peau de bête pour faire des sagaies. Je viens de capter que c'est ça qui me manque. Allez. Alors, on a 4 otages à libérer. Attends. Reste ici, toi. Te fais pas cramer, ok? On va envoyer la chouette et on va faire très attention à toutes les informations qu'on va pouvoir déceler. Alors. Ok. Y a pas énormément de monde. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Alors, le plus badass, il est où? Il est là. Voilà. Toi, tu dégages. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le faire moi-même. Mince, j'ai pas été malin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ça me clean la zone. Moi, je peux passer par là, tranquille. De toute façon, là, mon dent de sabre, normalement, il va carry. Hein. Normalement, mon dent de sabre, ils peuvent rien faire contre lui. Hein. Là, il va atomiser tout le monde. Hein.
J'ai pas grand chose à faire. J'ai juste à admirer le spectacle en vrai. Hein. Faut juste pas qu'il me voie. Faut juste pas qu'il me voie. Attaque! Voilà. Toi, tu touches pas à mon dent de sabre. T'as compris? Pas touche à mon dent de sabre! Paf! Voilà. Continue ton job. Moi, je fais de la cueillette en attendant. Et voilà, plus qu'un. Ah, il y en a encore un là-haut en fait. Si t'arrives à l'atteindre éventuellement. Si t'y arrives pas, c'est pas grave, je m'en occupe, c'est toujours un plaisir. Bon, je crois qu'il y arrive. Allez, c'est parfait, merci frérot. Et ben voilà, ils sont tous sauvés les Wenja. Hop, on les libère. Merci beaucoup. Guarpati. J'en ai oublié un. Là, ici. Voilà, les 4 sont de retour. Je brûle de 1000 feux tellement je suis heureux. Et c'est une très bonne chose de faite. On enchaîne avec aider les Wenja Escort en découvrant le lieu inconnu juste à côté. On en profite évidemment. Et c'est très emblématique de faire cette partie de map ici. Parce que vous voyez ce dent de sabre? C'est ici qu'on l'a apprivoisé, je le rappelle. C'est ici qu'on l'a apprivoisé, c'est absolument incroyable. Voilà, je voulais le rappeler. C'est assez ouf. C'est la boucle est bouclée. Voilà. Tuer les envahisseurs et sauver les Wenja. Ça n'a rien à voir, ça. Ça c'est une mission qui vient de faire surface. Salut! Voilà, ça c'était très sympa. Voilà. Mais mon dent de sabre il fait quoi là? Mon dent de sabre il fait quoi là? Libérer les Wenja restants. Mais hé, mon dent de sabre il fait quoi là? Ouais. D'accord, bon, j'en rappelle un autre. Parce que là je suis dans la merde. Là je suis dans la merde. Allez, attaque! Voilà, merci. Il est où l'otage restant là? J'ai pas compris. J'ai pas compris là, y a pas d'otage restant là. En fait, maintenant que j'y pense, les otages sont morts d'ailleurs. Bon. Désolé mon pote. C'est pas bien grave. Allez, direction le lieu inconnu. Bon, le soleil se couche. C'est un peu chiant. Et il va falloir protéger les Wenja des envahisseurs. Et les envahisseurs, je crois que c'est les animaux. Donc c'est un peu craignos. En vrai. C'est un peu craignos. Mais voilà. Ça va être la fête. C'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de mission. Ça m'avait pas trop manqué. Ah non, c'est des envahisseurs humains, c'est bon. Enfin, je sais pas ce que. Je sais pas ce que je peux faire en fait. Allez, hop, ça dégage. Voilà, on enchaîne. Voilà. Paf, dans ta gueule. Oh, les Udam, ils sont chauds. Hop. Et voilà. Bon, en vrai, j'ai envie de te dire, on est juste trop fort. Ils peuvent plus rien faire contre nous de toute façon. Voilà. Bah, vous pouvez revenir, les gars. Je vous attends, hein. Je vous attends les poteaux. Deuxième vague. La deuxième vague. À la one again. Paf. Paf. On enchaîne. Paf. Ah merde, ça masto. C'est chiant ça. Hop. Bah il est mort. C'est bon. Et lui aussi il est mort. Impeccable. Je te soigne. Quand même. Voilà. Hop, je récupère les gourdins. Les saguets, pas du tout, j'ai rien récupéré. Et puis voilà, tout simplement, on va attendre qu'ils viennent encore là. Parce qu'il fait un peu nuit, donc je me rapproche un peu du feu. Parce que bon. Allez, venez voir les loulous. Et regardez bien. Hop! Allez, finito. Finito. Voilà. Yala! Oh là 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 là, dans sa face! Yala! Ça marche pas, c'est un mastodonte. Quel con. Mais quel con. Aïe. 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 Bon, personne n'est mort encore. Et ça, c'est top. Attaque! Yala! Allez, on change pas une équipe qui gagne. Allez, le masto, tu meurs. Allez. Voilà. Ça, c'est fait, bordel. C'est bien ma bête. Ah, oh, on est super chaud par contre.
Là, on est chaud de night, hein, messieurs, dames. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'était juste un vrai bonheur ce qui vient de se passer. Voilà. Un bon sang dans le temps. Un bon saut dans le temps. Voilà. Il nous reste, les amis, plus que. Ah, mais non, mais pas du tout. C'était un événement en fait. Mince. C'était même pas le. C'était même pas la mission. Le seul problème, voyez-vous, qui m'embête, c'est qu'il fait nuit. Et on va dormir. Parce que là, sinon, on va juste pas s'en sortir. Hein. Je suis navré. On va pas s'en sortir. L'avantage, c'est que ça va faire passer le temps et on va récupérer également des ressources. Donc autant quand même en profiter. Mais voilà, on va quand même dormir jusqu'à l'aube. Vaut mieux. Il vaut mieux qu'on fasse ça comme ça parce que sinon on va vraiment galérer. Je pense qu'on sera tous d'accord à ce niveau-là. Voilà, mais j'espère franchement que vous kiffez cet épisode, ça change, c'est plus fun je trouve. C'est plus fun, on est moins dans l'histoire. Mais en même temps, voilà, on est vraiment dans la préhistoire si je puis dire. C'est vraiment de la régalade. Et là, si on regarde nos loot, à mon avis, on a des belles surprises. On a des belles surprises. Bon, du bois, bon d'accord, pas grand-chose. La viande, c'est superbe. L'argile, bon, ok. Les pots de lion des cavernes et c'est tout. Bon, on a vraiment aucune surprise. On se fout de notre gueule. Toi, je vais te soigner parce que tu mérites. Voilà, vos yeux méritent l'Issac. Finalement, comme on dit, mange encore, tiens. Mange encore. Et comme ça, je récupère de nouveau de la viande. Voilà. Et comme ça, je te monte directement. On perd pas de temps. Et comme ça, alors l'événement, on s'en fout. On va ici. On va aider les Wenja escorte. Et c'est par là-bas. Allez, on y retourne. Ça va aller bien plus vite à dos de dents de sabre. Encore faut-il trouver un chemin qui descende. C'est bon. On peut passer par là. Et ça m'avait manqué de me promener à dos de dents de sabre. C'est un vrai plaisir. Alors, là. Là. Là, c'est la mort. Et ça passe. Parce qu'on est juste des beaux gosses. Voilà. Ça fait plaisir. Eh oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais ce dent de sabre en fait, c'est Spider-Man tout simplement. Voilà, c'est Spider-Man en personne. On dirait pas une araignée comme ça, il est vrai. Il est vrai, mais il tisse sa toile. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Allez, nous y arrivons. Nous y arrivâmes. Nous y est. Merci mon gars. Je récupère une feuille bleue parce que c'est toujours un petit plaisir d'avoir ça dans sa poche. Oui, ils vont se détendre hein. Voilà, un petit plongeon également, c'est pour faire le flex, parce qu'à la préhistoire on savait faire des plongeons, voilà, il faut le savoir. C'était l'or manoudou préhistorique. Vous devez aider les chasseurs Wenja attaqués par des Udam à se rendre en lieu sûr. Ah, tu refais plus jamais ça. Jusqu'à la destination et défendez-les contre d'éventuelles menaces. Allez, ça régale. Takar, tout le monde me connaît, c'est un vrai bonheur, je suis une star et je n'étais même pas influenceur. Après si. En vrai, j'étais l'influenceur de la préhistoire hein, quand on y pense. Hein. C'est-à-dire, c'est moi qu'on vient voir. Dis-moi, t'as des conseils beauté, t'as des conseils produits. Ouais. Enfin bref. Ça se passe ici. Je suis là, les frérots, pour vous sauver, bien sûr. Je suis là pour vous. Je suis amoureux des sagas. Guide-nous. Ok, mais je dois vous guider où là? Je dois vous guider où là? Je sais même pas où je dois vous guider, bande de débiles. Escortez le groupe jusqu'à sa destination. Ok, bon, on va faire comme si c'était par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des méchants? Où ça? Où ça, il y a des méchants? Ah bah c'est... Alors, c'est pas non plus incroyable. Vous êtes prêts? Parce que ça va être du pestacle. Hein. À la Monogan! Hop, le couteau qui passe bien. Voilà. À la Manoyen. C'est toujours un régal. Je ne m'en lasse pas. Voilà les gars. Mais on va où là? Du coup, je vous suis ou c'est vous qui me suivez là? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut rester là des heures? On est pas mal. Ok, ça a l'air d'être par là-bas. On va suivre le cours d'eau. Ça m'a l'air pas mal. Ça se trouve, ils vont nous guider vers le lieu inconnu là-bas. Le dernier lieu inconnu à découvrir. Il y a des singes. Je dois vous défendre des singes? J'y veux, lui. Je crois qu'il me fait peur, lui. Attaque! Voilà. Ça, c'est fait. One shot. One shot. Voilà. Un kill tour. Attaque! Attaquer, c'est la meilleure défense. Attaque!
Quoi? 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 Attaque! Voilà. Je me concentre, hein, on essaye de faire les choses bien quand même. Oh là, regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau, mais ce jeu est beau, bordel. Bon, prenez plus votre temps encore. Hein. Bon, reviens, ça sert à rien. Oh là, bonjour, les bibiches. Attaque! Voilà, parfait. Oh là! Oh, je l'ai one shot. Oh là! Il se passe trop de choses là. À la one again! À la one again! Oui, j'ai failli tuer un iso de sang, vous avez vu. Oui, vous l'avez bien vu. Et j'ai un collègue qui est mort. Allez, super, bon bonheur. C'est déjà un échec cuisant. Bah alors? Ah, comment j'ai fait pour perdre le collègue? Je ne sais pas, c'est chiant. Vas-y là, j'ai fait super gaffe pourtant. Ah, terrible. Hop, petit ours brun. Petit ours brun. C'est quoi les animaux que je dois d'ailleurs maintenant apprivoisable dans Horos? Parce que ours brun j'ai, hein. Ouais, ours brun j'ai déjà. Oh là. Allez, avancez là, les gars. Mais non, mais les gars, avancez. Mais si vous traînez sur place aussi, on va jamais s'en sortir. Vous êtes les pires survivants qui puissent exister et vous méritez de mourir en vrai. Mais non. Dégage. Il est mort, c'est bon. Il est mort. Allez messieurs dames, on y va. On va s'en sortir. Suivez-moi les gars. Non, pas lui. Lui là. Voilà, il a voulu attaquer le pauvre macaque. Allez venez. Je sais pas jusqu'où vous voulez aller mais ça... C'est dangereux là, hein, ce que vous faites, hein. Enfin vous jouez un jeu dangereux, hein. Allez. Ah, ça crie là. Là ça crie. Là il va se passer des choses. Waishta, où c'est que t'as vu des Waishta toi? Oui bah ils sont en bas. Bah venez les gars. Mais venez! Ah, ils montent par là. Ils ont changé de destination. Ok, ils se cachent. Ok, bah venez. On va s'occuper d'eux, pas de problème. Pas de problème. Attaque lui là. Voilà. Salut! Hop, toi tu viens pas vers moi comme ça, hein. C'est irrespectueux, hein. Voilà. Toi, tu dégages. Voilà. Un bonheur. Et alors toi? Et alors toi? Paf. Aïe. Oh le bâtard. Voilà, c'est le karma ça. Ça c'est le karma. Oh il enchaîne. Oh il enchaîne. Oh il enchaîne. Allez, allez, allez. Voilà, on meurt maintenant. Ça va la comédie. Hein. Allez, mange. Brave bête. Bon. Ça va les rouillards, on peut continuer l'aventure? Parce que l'autre, il a l'autre bout là-bas. Allez, je sais pas jusqu'où vous voulez aller, mais... Oh là. Attention tout de même. Très, très, très stylé. Hein. Pourquoi? Pourquoi j'ai un collègue en plus là? J'ai un collègue en plus mais il fait pas partie de l'escorte de base. MDR. C'est ici que vous voulez aller? Allez! Let's go! Alors voilà, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. On est à l'opposé de là où je voulais aller. Ours des cavernes. Attendez, ours des cavernes. Ours des cavernes, on va l'apprivoiser. Allez. On va apprivoiser l'ours des cavernes, messieurs dames, en même temps de visiter le lieu inconnu. Ça va être très sympa, on y va direct. C'est de la régalade cet épisode, voilà je vous le dis. Cet épisode est juste génial. Je kiffe. C'est le genre d'épisode franchement où ça prolonge la durée de vie du jeu. Ça donne tout son intérêt. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et heureusement ils ont fait des parties de map comme ça un peu petites, un peu réduites. Parce que j'ai pas forcément envie de faire tout ça dans le monde général de la map. Mais dans ces coins reculés, en vrai je trouve ça vraiment cool. Qui sait, on va peut-être finir le jeu à 100%, hein. Bon, je pense pas, mais...
Mais voilà, en tout cas, c'est stylé. On passe par où là? On suit le chemin là. Il y a des barrages. C'est par là. Ok. Très brumeux, plus on monte. Je vais peut-être renvoyer ma bête aussi dès qu'on s'approchera de là-bas parce qu'il risque de d'attaquer l'ours brun et ça risque de compromettre l'opération, bien sûr. Ce qui serait bien sûr dommage. Bon, j'aurais pu lui monter dessus, on aurait été un petit peu plus rapide, mais c'est pas grave, on arrive. Une centaine de pas. Et ça, c'est bon. Allez, on profite un petit peu de ce game design, de ses sonorités, bien sûr. Là, vous vous dites, ça fait du bien quand il se tait un petit peu, M.Colo. Hop! Quel est ce bruit? Hop! Ah bah, je crois qu'il y a un ours des cavernes en bas. Ou en haut. Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être assez... Ah bah voilà. Tiens. Viens là. Voilà. Voilà. Il s'est offert à moi quand même. Hein. Allez! Oh là 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 là. Oh, brave bête. Et lui doit faire mal. Hein. Oh là 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 là. Alors lui, il doit faire mal. Hein. Oh putain. Oh, je voudrais pas... Alors, vitesse, il a aucune discrétion. Pas beaucoup de vitesse, mais énormément de force. Ah, mais en vrai, le meilleur, ça reste quand même le dent de sabre. Mais en fait, vraiment, jusqu'au bout, le meilleur en tout, c'est lui, hein. Même lui, il est pas... Le loup rouge-neige, il est pas ouf, hein. Il a moins de force, il est moins rapide, beaucoup moins rapide, un peu plus discret. Mais bon, c'est pas incroyable, la discrétion, en vrai. Ok, j'ai plein de points de compétences, on regardera ça après. Oh, j'ai une main d'Aïcha. Bah, il y a une main d'Aïcha. Mais je croyais que j'avais fait toutes les mains d'Aïcha. Oh non, j'ai trop le seum. Oh non, j'ai... Il y avait une main d'Aïcha là. Ok. Une là aussi, là-haut. Ok. Ok, il faudra juste récupérer celle-là encore, c'est à côté du TP. Et on aura fait toutes les mains d'Aïcha. Ok, c'est bon. Et ben, heureusement que... Putain, on a de la chance. On a de la chance, hein, parce que je les veux toutes. Hein. Je les veux toutes, les mains d'Aïcha. Allez, 48 sur 100. Et ben, on sera à 50% justement, à la moitié, quand on les aura tous pris. Oh, attends, fais du bruit. Oh, waouh. Oh, c'est beau. Très, très beau. Salut. Allô. Oh. Oh, pardon. Voilà. C'est pas incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette belle cascade, cette belle grotte? C'est une tanière, à mon avis. Oula. Oh, j'aime pas ça. Ah, c'est vraiment une tanière? Tanière de crocs de sang. Ah oui. Dents de sable, crocs de sang. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie d'aller dedans, moi. Il n'y a aucun intérêt à aller là-dedans. Attends, mais j'ai pas de crocs de sang de toute façon à... Ah oui, crocs de sang, j'ai déjà un crocs de sang, ça sert à rien d'y aller. Hein. Et franchement, ça sert à rien d'y aller. Hein. Moi j'y vais pas, hein. C'est bon, on a découvert, hein. C'est bien. Moi ça sert à rien qu'on y aille. Hein. Non, attends, on va pas se prendre le chou pour ça. Hein. Non. Je veux bien qu'on rigole deux minutes. Mais ça va la comédie. Allez, on va récupérer... Et bien alors, ils sont mignons les petits ours bruns là. On va aller récupérer l'autre main d'Aïcha là-bas. Oh la vue, Jurassic Park. Normalement, je dis bien normalement, il y a une main d'Aïcha ici. Me trompais-je? Non, c'est bon, il y a bien la main d'Aïcha là-bas. Et donc il en restera une. On fera le TP pour y accéder. Mais d'abord, on va faire la dernière mission de la zone ici, qui est une mise à mort. Chasser les meutes des prédateurs qui menacent les Wenja. Pas de problème. On y va. Mais je vais rappeler mon dent de sabre. Oula. Fais les peurs un peu. Voilà. Allez. On y go. On y go.
dernière mission secondaire de cette incroyable partie de la map, de cette incroyable aventure sur Far Cry Primal. 20e épisode. Encore merci à vous vraiment pour votre fidélité, je suis trop content. Merci d'avoir accroché dès le départ ceux qui suivent le let's play. Et vraiment c'est que du kiff. C'est que du kiff. Et on embrasse évidemment les bots, les robots YouTube. Bon allez, il est bloqué là. C'est par ici, bonsoir. Ça va les gars? Mama Fadi. Takar est fort, il tue dans de sabre. Mais Wenjamor quand même, dans de sabre vie. Chasser les meutes. Et on va finir quand même par rentrer dans la grotte. Hein. Je vais me péter une barre là. Je crois qu'on va quand même rentrer dans la grotte dans laquelle on était. Que j'ai pas voulu aller. Donc j'ai bien fait de pas y aller. Parce qu'à mon avis, on va devoir y pénétrer. Ah c'est bon ça. Putain, mais par contre c'est débile un peu parce que tu vas d'un point A au point B pour retourner au point A sans le savoir quoi. C'est un petit peu dommage mais c'est pas grave. C'est pas grave. Salut. Ça va? Hop. Voilà. Et... Ok, faut que je grimpe ici. Pas de problème. Hop. Pas de soucis à ce niveau là. Et oula, les chasseurs Wenja sont la proie. Chassez-les. Des grands félins, chassez-les pour réduire leur nombre. Lion des cavernes. Ah, lion des cavernes. Lion des cavernes. On peut adopter un lion des cavernes. Tiens, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. De toute façon, plus on a d'animaux et plus on a de chances d'affronter les boss. Parce que ça fait moins de réanimation à faire. Ça fait plus d'animaux aussi. Donc pas mal. Oh. Non ça c'est un... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez on va passer sur ce tronc. Alors. Tuer tous les grands félins de la zone. Je peux pas les apprivoiser genre. Oh, c'est terrible. Ça c'est pas un grand félin ça. Hein. Je reconnais. Ça je reconnais, c'était pas un grand félin. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Là on est sur de la violence pure et dure. Il est mort. Et dehors. Et je le dépece. Ça va la comédie hein. Qui va faire quoi maintenant? Qui va faire quoi? Attaque! Paf! Ah ouais. Ah ouais, non mais si vous fuyez aussi les gars... bande de nullos. Ah ouais, il fuit. Il fuit, il fuit. C'est quoi ça? C'est pas ça être un homme. Viens voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh là là, le mec qui surgit de nulle part, tu sais. Voilà. On ramasse aussi hein, des feuilles tant qu'on y est. Allez. Par contre, j'en ai tué 3 là. Ah non, mais c'était un sanglier ça. Rien à voir. Ah, ouais, d'accord. Ah ouais, le pauvre sanglier, il a rien demandé dans l'histoire. Bon, on a pas besoin d'entrer dans la grotte, c'est pas mal. Ça fait quoi d'être en feu? C'est pas top hein. Voilà. Ça c'est fait. À qui le tour? À qui le tour? Eh bien... Eh bien on va continuer par là. Mais alors? Là il y a de l'odeur là. Je sens la... Je sens l'odeur. Rien du tout. Y'a rien du tout, on se fout de moi là. On se fout de moi là. Mais hé. Comment tu veux que je fasse la mission s'il n'y a plus d'animaux là?
dans la zone de chiasse. Eh oh, les grands méchants. Oh, feu rouge. 3 animaux sur 6. C'est une dinguerie. Ça, c'est un sanglier, ça. C'est un... Non, mais là, on se fout de ma gueule. On va pas pouvoir router 32 minutes. Quand même. Ah, mais non, mais ça continue par là. Oh, mais je suis bête. Pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais fallait me le dire aussi que ça continuait, là. Sans déconner, quoi. Allez, on enchaîne, on perd pas de temps. Là. Oh, attendez. Hep, 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 hep. Hep, 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 hep. Ah, ah. Peau de grand élan. Ah. Voilà. Oh putain. Voilà, toi t'es finito. Toi t'es finito. Et il en restait deux là. Je sais pas où ils sont. Là. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Lui là. Mais non. Mais non. Pas comme ça. Pas maintenant. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Déboîte-le. Paf! Dans ta... Allez, viens là, viens là! Viens. Oh putain! Oh, je vais pas te louper! Et voilà le travail! Ça, c'est fait! Pauvre petit lion des cavernes! Allez, un petit dernier pour la route! Un petit dernier pour la route! Et. Ça se passe. Par ici! Hop là! L'esquive de la loutre! Tu m'aides quand tu veux, mon copain. Tu vas où là? Là, c'est lui qu'on attaque. C'est lui qu'on attaque. Oh, elle était belle. Oh, elle était belle. Voilà! Ça c'est fait. Objectif terminé, messieurs, dames. C'est officiel. Nous avons clean à 100% toute cette zone. Il n'y a plus aucune mission secondaire. Plus aucun avant-poste. Plus aucun bûcher. Plus aucun feu de camp. On a même apprivoisé un ours des cavernes. Il nous manque juste. Eh bien, la main d'Aïcha ici, qu'on va de ce pas récupérer et on aura officiellement bouclé cette magnifique zone. Absolument incroyable. On récupère la main d'Aïcha et on ira se TP. Ah, c'est les Izzy là. Maintenant, j'ai ça m'est revenu la tribu. On a les Izzy là qui étaient contre nous, mais maintenant il n'en est plus rien. Et maintenant, on a les Udam qui sont contre nous. Qui est... Il y a encore eux à faire quoi. Et après, on sera bon. Voilà. Donc on ira après sur les terres Izila de nouveau pour un petit peu voir tout ce qu'on n'a pas encore vu, simplement. Oh, regardez, ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. Je vais renvoyer d'ailleurs mon dent de sabre. Oh, ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. Hop. Voilà, tout en douceur, aucun bruit. Bon, je récupère mon petit caillou là. Ah mais il est pas sous l'eau, il est là. Il est là. Voilà, et nous sommes à 50%, messieurs dames. 50%. La moitié de la main d'Aïcha. C'est incroyable. Et puis un petit événement Wenja là qui nous attend. Un petit sauvetage. Un petit sauvetage à effectuer. Hop, dans ta gueule. Toi tu m'as pas vu arriver hein. Tu savais pas que j'étais là. Hop, toi non plus hein. Et voilà. C'était assez efficace hein, si je peux dire. Hop. Je récupère mes sagas évidemment, hein. Pas déconner non plus. Pas de gâchis, je vous l'ai déjà dit. L'écologie, c'est important. Voilà. Oh. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je suis devenu un professionnel hein, de Far Cry, hein, si je puis dire. Eh bien, voilà qui est fait. On va donc eh bien, oublier cette zone. Je rappelle que ça c'est juste la cache du chasseur. Mais voilà, on a déjà trouvé des zones avec des trésors, c'est pas non plus incroyable. Et du coup... Lieu découvert. Et du coup, alors on a encore cette zone qu'on n'a pas encore eu la chance d'explorer avec la chasse aux rouges neiges. Mais franchement, pff, on s'en fout. Non, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette zone maintenant qu'on va explorer de fond en comble. Il y a pas mal de mains d'Aïcha qui traînent ici et là, des lieux inconnus également. Et puis surtout, un bûcher. Et c'est lui qu'on va privilégier, le bûcher, parce que bah, pour pouvoir se téléporter rapidement. Parce que sinon, c'est terrible. On doit se téléporter d'abord ici encore. Donc c'est absolument chiant. On va se TP ici et en priorité, il faut qu'on aille par là. On va faire dans l'ordre, hein, de haut en bas. Donc la main d'Aïcha, le lieu inconnu, et on va descendre au fur et à mesure. Allez, c'est parti. De retour au fort du hurleur de feu.
On va faire un petit somme, évidemment, jusqu'à l'aube. Ça fait toujours plaisir. On va voir les loots qui nous attendent également. Et on va pouvoir simplement clean la zone. Et encore une fois, se faire un maximum de stuff et de ressources. Avec d'ailleurs une population grandissante. Donc plus de loot encore. Est-ce qu'on a le droit à des surprises, s'il te plaît? Ce serait top, hein. Alors le bois, hein, direct. Tac, 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 tac. Les feuilles rouges, c'est bon, je suis au max. Ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends. On a quoi? De la peau de loup. Ok, on a de la peau de lion noir, rare, et de la peau de jaguar. Oh, peau de singe. Peau de léopard. Pas mal. Pas mal. Et bien maintenant, on va regarder au niveau des compétences. Nous avons 6 points de compétences. Pas mal. Alors on a le choix, hein. Ressources rares, chance accrue de trouver du bois rare, non. Plante rare, toujours pas. Trouver la quantité maximale de bois à chaque récolte. Alors ça c'est énorme. Mais non. C'est-à-dire que quand tu prends du bois, t'en as direct... Attendez, c'est-à-dire que si je prends un truc de bois, t'en as direct 32 sur toi. C'est ça ce que t'es en train de me dire? Allez. Allez, ça mon gars... On va voir si c'est bien ça, mais je le prends. Et ensuite, là, on peut faire bon, les effets qui durent 90 secondes. Confectionner 2 flèches au lieu d'une. Et là, surtout, confectionner 2 bombes à feu au lieu d'une dans la... Ouais, mais on s'en bat les steaks, sérieux. Mais c'est trop nul. Bon, à la fin, on débloquera tout, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment très, très nul. Ouais, tout ça, ça sert à rien. Par contre, blessure animale. Augmenter les dégâts que vos armes infligent aux animaux en vrai... Ça, ça aurait été pas mal. Mais il me refaut 2 points de compétence. Ouais, tout ça, c'est pour... Ouais, c'est pour refaire le double des crafts. C'est pas non plus incroyable. Ok. Oh, attendez, bougez pas. Compétence. Oui, non, c'est bon. Très bien. Eh ben, et ce sera vite vu. Il y a une main d'Aïcha d'ailleurs là-haut. Mais voilà, c'est pas... On va pas s'occuper de celle-là. Là, on s'occupe de cette zone, je vous ai dit. Donc, on va descendre directement. Et on va faire le test. Puisque, messieurs, dames, actuellement sur moi, j'ai donc... regardez, 7 bâtons. On est d'accord? Sur moi j'ai 7 bois durs. Voilà, j'ai 7 bois durs. Donc là, sur le chemin, on va chercher du bois. Mais attendez, de toute façon c'est simple. La feuille rouge. Attendez, hein. Ah mais feuille rouge, je suis au maximum aussi. Je suis au maximum. C'est pas le bon exemple. Non, non, on va vraiment faire l'exemple sur du bois dur, mais ça marche pour toutes les ressources. C'est ça qui est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah! Arrête! Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ok. Eh bien, regarde, tu peux pas monter les échelles, mon copain. Voilà, bien fait pour toi. Et même que j'ai un wingsuit, regarde. Ah, quel échec. Allez, on se barre. On se barre. Hop, le petit plongeon. Oh là 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 là, c'est bon. Attends, je récupère ça. Et ça, j'ai plus de place. C'est pas grave. Là, il y a du bois dur. Vous êtes prêts? J'ai 6 bois durs sur moi. Et là... Bois dur x4. Ok, bah j'ai pas compris la compétence alors. Bah oui, j'ai pas. Bah non, bah du coup, bah pas du tout. J'ai pas compris. Trouver la quantité maximale de bois, de pierre, de roseaux, d'argile et de poussière de pierre à chaque récolte. Ah, mais non, oui, en gros, j'en récupère 4. 4, c'est le maximum en gros. Des fois, j'en récupère 1, 2, 3, 4. Et là, automatiquement, j'en récupère 4 en gros, c'est ça? Le max, quoi. Ouais, d'accord. Je suis un peu déçu, j'avoue. Je suis un peu déçu, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que quand on y réfléchit bien, bah au moins, voilà. On maximise les ressources. On est sûr d'avoir un maximum de bois. Un maximum de kiff. Maximum de bonheur. Hop, la petite poule. Voilà, maltraitance animalière, bien évidemment, c'est la magie Far Cry. Et en plus, ça donne de l'XP, hein, cette connerie. Hein. C'est quand même incroyable. Je trouve ça vraiment scandaleux et honteux d'inciter. J'y veux lui. Je trouve ça honteux d'inciter les joueurs à maltraiter les poules. C'est pas cool. Hein. Non, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Oh, il y a du vent. Oh, vous entendez, il y a du vent. C'est dans le jeu? Oui, c'est dans le jeu. Bah j'espère que c'est dans le jeu parce que ça me fait un peu peur. Hop, la violette du sud. C'est une plante rare. Attention. Ok. Bah écoutez, la dernière fois qu'on est passé par là, c'était à dos de mammouth. Donc c'est cool de pouvoir y aller à pied.
Mais ça me fait super peur ce vent. Eh mais il y a des méchants là. Mais il y a des méchants ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon lui... Lui je suis pas obligé de le tuer. Lui je suis pas obligé de le tuer, je vais l'épargner. Voilà, je suis gentil. Ok. Tais-toi. Tais-toi. Hop. Ah, je suis un peu déçu. Hop dans ta gueule. J'ai pas réussi mon enchaînement. Eh les gars. Yala. Mais wesh. Allez. Oh putain. Pardon. Oh non. J'ai trop le seum. Ah non. Je me suis enflammé. C'est bon. Des fois t'arrives pas à faire tes exécutions, c'est terrible. Voilà. Hop, ça j'avais déjà cassé tantôt. Et puis ça dégage. Ah, tu fermes ta gueule hein. Voilà. Toi, tu vas faire quoi là? Voilà. Non parce que voilà, je vous épargne, mais vous êtes un peu vilain avec moi quand même. Allez, on descend par là. Bang bang. On va récupérer la main d'Aïcha. Enfin en vrai, d'abord on va aller dans le lieu inconnu en vrai. Ça me paraît plus logique finalement de faire comme ça. Ok, je vais appeler mon dent de sabre, le dent de sabre classique. Ça suffira pour faire peur aux prédateurs qui me courent après. Voyez-vous sur la map, il vient de disparaître tellement qu'il a eu peur. C'est incroyable. Il a fait dans son froc, comme on dit. Il a fait dans son falzar, voilà. Alors, est-ce que je peux passer par là, bien sûr? Ça a été bien pensé. Ensuite, bonjour. Voilà. Et je crois qu'ici... Je crois que c'est ici que tout commence, finalement. Oh là là là, mais moi ce soleil me trouvera toujours le cul. Vraiment beau. Et on y arrive. C'est ici. Alors. Oh là. Kang Jir Jao. Ah oh là. Dégage. Kang Jirwa Rojwarwa. Très bien. Et bien il y a un petit trésor. Oh, dépecé loup. Je récupère. Il y a un petit trésor ici. Voilà. Voilà. Ensuite, là, ça, ça dégage. Oh, il a rien vu venir lui. Hop. Quoi? Ah ouais, même moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, c'était cool. Par ici. Hop. Hop. Impec. On speedrun le jeu, hein. Franchement à la fois on explore, on découvre, c'est cool. Mais en même temps c'est un petit speedrun, c'est rigolo. Là. Bonne chose de faite. Ensuite, donc je rezoome. Eh bien on va faire dans ce sens alors. Parce qu'on a la main d'Aïcha sur ce côté. Plus un lieu inconnu. Donc on va faire ça. Ça me paraît pas trop mal, pas trop déconnant. Prochaine récompense plus 4. Je viens de capter le petit message en haut à gauche. Alors plus 4 quoi? D'XP peut-être? C'est pas énorme en vrai. Mais je pense pas que c'est plus 4 XP, je pense que c'est autre chose. Tac tac tac. Comment on va faire? On va tout simplement suivre les surfaces. Là c'est vraiment reposant. Vraiment ça change. Franchement j'étais en sueur moi dans le dernier épisode hein. Bon, vous imaginez pas, j'étais pas bien. Je sais pas vous comment c'était pour vous mais... Rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi, là j'ai envie de me faire un petit kiff. J'ai envie de me faire un petit kiff. Ok. Ah voilà, je me dis bien qu'il y avait un gars en plus. Ok. À la rue de game. Et voilà. Allez, dégagez. Oh 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 oh. Ah le nul. La main d'Aïcha. Tu es là. Merci. Le lieu inconnu. C'est ici. Pierre à reflet. Et apparemment il y a du poisson croc. Est-ce qu'on peut apprivoiser un poisson croc? Je ne pense pas. Ils sont où les poissons crocs? Il n'y a pas de poisson croc. T'es de ma gueule. Voilà. Ça c'est fait.
Ensuite, bah là on peut descendre, on a un masque easy là. Ouais, on va faire le tour et on va refermer la boucle. Ouais, il y a plein de trésors ici, il y a plein de sacs. Mais ça, ah oui, mais ça c'était une zone qu'on avait faite en mission. Donc faut... Ah mais non, mais voilà, mais c'était là le boss qu'on a fait, je crois. De toute façon, on sera vite fixé, hein. On va faire le tour comme ça, ouais, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal parce qu'après il faut retourner vers le milieu. Parce que là on a tout fait. T'as une main d'Aïcha là, c'est presque proche de la... Ici là, tout ça qu'on fera après. Un masque easy là, ouais bien sûr. Mais c'est pas si grand que ça en vrai, hein. Tu dézoomes. Ça paraît grand, tu zoomes, c'est pas si grand que ça. Hein. C'est cool, tant mieux, tant mieux. Alors, je peux pas m'en plaindre. Je peux pas m'en plaindre. Donc on va aller par là-bas. On tente un truc ou pas? Oh c'est bon ça. Là je suis sûr que vous avez eu peur et je vais pas te mentir mon copain. Que j'ai eu un peu peur. Je me suis vu mourir. Mais il n'en était rien. Voilà, je suis vraiment un expert de la natation. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Hop. Ah, plus de problème. Moi je. Voilà, je règle les problèmes finalement. Voilà. Ah, du coup j'ai pas mal de bois. Hein. C'est pas mal. Hein. Par contre, ça m'use des couteaux de faire des moves de folie là. On va pas se mentir. On va pas se mentir, mon copain. Alors, ah bah oui, on avait fait cet avant-poste ici. J'ai vu l'alarme sur la map, ça m'a fait peur. Du coup, les alarmes, je les ai cassées, mais ça a respawn. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous permet d'ailleurs d'explorer la zone de manière un peu plus safe. Hein. C'est cool. Ça change. Et alors, il est où le Doritos? Oh! Oh, je t'avais pas vu. Oh, je vous avais pas vu. Hop! Hop! Aïe! Avatar, tu te calmes, hein. Avatar, tu te calmes. Hop! Merci à tous. Bon, disais-je donc, le masque. Il est où? Mais attendez, en plus, je suis déjà allé là, à un moment donné, non? Il est là. Yes, un bonheur. Voilà. Je sais pas à quel moment j'ai foiré, mais... Oh là là! Bonjour! Eh ben, c'est pas beau, hein. Aïe! Allez, on continue. On suit le chemin. Waouh. Eh, tu me lâches la grappe? Eh, tu crois que je peux l'apprivoiser ou pas? Non, on peut pas l'apprivoiser. Putain, fais chier. Ah, ça aurait été stylé en vrai. Oh bah il est mort. Bah le yak il est mort tout seul. Il est mort de faiblesse, de fatigue. C'est pas bon ça hein. Ah bah on arrive sur... Ouais c'est vraiment petit hein. On arrive sur la fameuse zone où il y a plein de trésors. Alors dis-moi, est-ce que c'est ce que je pensais? Ah bah oui. C'est là qu'on a fait le boss. Voilà. Bon du coup il y avait plein de... Il y avait plein de trésors à choper ici et là, mais on s'en fout, hein, évidemment, les petits sacs là. Roseau, voilà, c'est superbe. Donc c'est là qu'on a affronté Batari. On continue donc avec le prochain masque easy là. Très sympa, en bas la cascade, on va aller voir aussi. Ah c'est ça, putain, on fait vite le tour en vrai. Hein. Dans cet épisode, on aura fait deux zones entières. C'est impressionnant ça, j'adore ce jeu, voilà. En vrai, il y a moyen de finir le jeu à 100%. Hein. Plus j'y pense là. Bah non, parce qu'en vrai, les missions secondaires là, par exemple, qu'on a fait. D'ailleurs, il n'y a pas de mission. Eh, excusez-moi, je joue beaucoup la carte. Il n'y a même pas de mission secondaire ici. Il hein. n'y a aucune mission secondaire. Hein. Ici, il n'y a aucune mission secondaire. Ça me fume. Bon, là, il y a un événement. Ça me fume. Mais ouais, les missions secondaires, je vais pas toutes les faire, hein, clairement. Donc non, on finira jamais à 100%. Mais au moins, voilà. Je suis censé faire quoi là? Ouais, je suis censé libérer l'animal. Salut. Mais je vais faire mieux que ça. Je vais simplement faire ça et ça. Voilà, on essaye des nouveaux combos bien sûr. Je récupère ma sagaie s'il te plaît. Merci. Et je vais le libérer. Voilà. Tout ça pour qu'il m'attaque. Hein. C'est quand même la superbe récompense. Donc je me barre évidemment. Au plus vite. Mais là je suis en train de me faire courser par le gros truc là.
J'aime pas ça du tout. Ah, il va super vite. Hop là, l'esquive. Il a pas vu venir, t'as vu ça? Oh, il l'a pas vu venir. Oh, les élans. Heureusement, je peux courir à l'infini maintenant, hein, grâce à ma superbe compétence. C'est vrai ça maintenant que vous le dites, en vrai. Heureusement que je peux courir maintenant à l'infini. C'est là qu'on sent la différence dans ce genre de moment. C'est bon, ils ont lâché l'affaire. Bande de nulos. Pareil, je peux pas les adopter eux. Hein. Les adopter. Oui, si, les adopter. Hop. Alors. Masque Krati. Eh bien, à mon avis. Voilà. Alors, attends, on va faire ça comme ça. Voilà. Masque Easy là, pardon. Ça, c'est fait. 11 sur 25. Et en vrai. Putain, il y a moyen qu'on se les fasse tous. Hein. Profitez un peu, juste. S'il vous plaît. Voilà, c'est. C'est juste un vrai bonheur. Et en vrai, du coup, je suis curieux de voir jusqu'où ça va là-bas, en vrai. Je vais appeler mon dent de sabre. Ah ouais, d'accord. Évidemment, le mec, il spawn à côté, quoi. Bah, je suis dans la merde. Parce que ça a l'air très sympa, ici, là. Oh, des éléphants. Ça a l'air super sympa. Salut, petit ours. Hop! Trop stylé. C'est un cul-de-sac, mais j'aime trop. C'est pour ça que j'y vais là. Parce que je suis assez curieux. Il n'y a pas de loot, il n'y a pas de trésor, il n'y a rien. Comment se fait-ce? Une zone reculée comme ça? Ah, mais ça a pas été pensé. Regardez, ça a pas été pensé pour que je vienne en fait. C'est juste une zone oubliée. Regardez. C'est vraiment une zone oubliée. Ah, si, il y a un trésor, attendez. Il y a un petit loot là sous la flotte apparemment. Là. Pierre du Sud. Ah, superbe. Voilà, bah c'était le petit cul-de-sac qui fait plaisir. Bon, bah j'avais envie de voir quand même. On sait jamais. Là, c'est un petit peu voilà, la petite déception, mais c'est pas grave. Je m'attendais à un truc de ouf. Petit easter egg, ou je sais pas. Mais non. Est-ce que je peux te monter? Merci. Bah je te monte, mais en vrai, on pourra pas passer. Bon, bah. Ah, bah voilà, ils ont quand même pensé à. Ils ont quand même pensé à mettre des lianes, c'est bien. C'est parfait ça. Hop. Bon. Eh bien écoutez, je rouvre la carte pour la énième fois. Il y a des éléphants, donc des feux de camp. Et l'avant, enfin le bûcher qui est très difficile. Et regardez ça, on a tout fait. On fait le bûcher, on fait la main d'Aïcha, le lieu inconnu. Main d'Aïcha, lieu inconnu. Terminé, bonsoir. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue, bordel. C'est fou. Ce jeu est kiffant. Ce jeu est kiffant. J'ai envie de monter à dos d'éléphant. Voilà. C'est mon petit plaisir. Allez, un petit coup de trompe. Et c'est reparti. Allô, the game. Ah, il y a un événement, il se passe quoi devant? Tu es le chef des envahisseurs. Allô, the game. Pardon? Mes frères, non, c'est une blague. Oh, le bug de ouf! Bon, c'est pas grave, hein, je spawn à côté, heureusement. Ouais, c'est bon. Vous avez vu le bug? Ça, c'était un bug, hein. L'éléphant, il a juste. L'éléphant, il a sauté! Mais what? L'éléphant, il a sauté! C'est quoi l'histoire? Incroyable! Incroyable! Salut les rouillas! Hop! Hop! Et hop, tu vas nulle part, toi. Où c'est que tu comptais aller, là? J'y crois pas. Ah, le bug, ça me fume. Hop! Dans ta gueule. Hop! Sagay, shagay. Mais franchement, le... C'est une blague. L'élan, comme ça, qui me prend par derrière, tranquille. Non, mais je rêve. Ouais, comme dit, le commentaire, tu te reconnaîtras, mais qui a dit que la sagaie, c'est mortel de ouf. Tu le fais... Franchement, tu fais bien de me le dire, mais... Là, ça change tout le gameplay du jeu. Les sagaie, c'est... Les arcs à côté, c'est nul. Même arc double ou arc triple ou je sais pas quoi, là, mes couilles. Sagaie, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, je transporte jusqu'à 6 sagaie. Il n'y a pas moyen d'améliorer, genre... là, sagaie. Ah, je suis au maximum. Ah non, mais c'est pas là qu'il faut regarder. Ceinture à sagaie, transporter 6 sagaie. Ah, maintenant je suis au maximum. Ah, c'est vraiment dommage. Bah, après, c'est cheaté en fait, c'est pour ça. Les sagaies, c'est cheaté.
J'ai capté le bail. Allez, ça se passe par ici. Peut-être un petit grappin. Oui. Je reconnais maintenant les zones. Les zones à grappin. Allez. Là, à mon avis, je vais dans la gueule du loup. Là, à mon avis... Ah bah, en plus, il... Putain, j'ai même pas le temps de localiser la zone. Bah, t'assumes maintenant, t'attaques, hein. Hop. Oh. Oh non. Oh, le mastodonte. Allez, fume-le. Oh, ils vont appeler les renforts, je suis mort. Ils vont appeler les renforts. C'est dommage. Tout ça à cause de ce tigre à la con. Aïe. Allez. Stimulant. Ah bah, ça marche vachement bien. Bon, le masto il veut pas mourir. Allez. Et voilà, des renforts ont été appelés évidemment. Vas-y là. Ta gueule. C'est pas possible. Bon. Eh bah qu'ils viennent les renforts. Difficulté très difficile, ils ont dit, d'accord. Eh bah, comment ça mon ref? Réveille-toi. Ils sont où les renforts? Mais y'a pas de renforts. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Y'a pas de renforts là. J'ai pas rêvé. Voilà. Ah si, y'a des renforts. Quand même. À la one again. Pop. Aïe. Allez. Voilà. Ça dégage la racaille. Oh mais quel bonheur, mais quel plaisir cet épisode de ouf. N'oubliez pas le pouce bleu évidemment. Maximum de likes. Le commentaire qui fait plaisir également. C'est notre 13ème bûcher. Il ne nous en manque plus que 3, messieurs dames. 1200 XP. Population Wenja augmentée évidemment. Un bonheur. Peut-être un point de compétence qui va suivre également, je ne sais pas. Ceci étant dit, ceci étant fait, on termine directement cette zone. On enchaîne, on perd pas de temps avec la main d'Aïcha par ici. Et en effet, un point de compétence supplémentaire qui vient de s'ajouter à la liste. Allez, adieu. Voilà, c'était un plaisir, c'était toujours... Voilà, je suis là pour le spectacle, évidemment. Je peux vous le refaire une deuxième fois d'affilée si vous le voulez d'ailleurs. Mais on va quand même éviter, donc je, voilà, je vais faire un petit peu plus à la Tom Cruise. Regardez-moi ça, les petites glissades sur les cailloux. Ah là 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 là, quelle histoire tout ça, quelle histoire me diriez-vous. Dégage. Tu ne me fais pas peur. Tu n'es qu'une fiction. Slender, Slender, t'es plus mince que moi. Essaye les tractions. Est-ce que vous connaissez ce classique de la chanson française, messieurs dames? Non, vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à taper sur YouTube M-Colo, Slender, et vous trouverez cette merveille, ce bijou musical. une fois ceci fait, eh bien nous avons la dernière main d'Aïcha ici. Oui, c'est la dernière de la zone. Je préfère vérifier encore, mais c'est tout bon. Magnifique. Et on a un événement, libérer l'animal. Oui. 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 Hop. Hop. Pas le temps de niaiser. Et Neken. Voilà, sois libre. C'est bon, il se barre. J'ai cru qu'il allait m'attaquer en vrai. Je suis content. Je suis content, il m'a pas attaqué. Allez, c'est parti. Dernier lieu inconnu, dernière pierre. La demain d'Aïcha. Très belle zone en tout cas. Je suis vraiment navré, hein. Je rappelle, mais Far Cry 5, l'Amérique, c'est vraiment un univers. Mais alors, les passionnés des États-Unis sont ravis, mais... C'est un univers qui est magnifique. C'est très beau les États-Unis et le jeu est très beau. Mais je trouve que Far Cry Primal c'est quelque chose quand même. Alors que pourtant il y a, c'est toujours la forêt quoi. Alors oui t'as le sud, t'as le nord, mais ça, c'est que de la forêt. Et pourtant c'est plus kiffant je trouve que Far Cry 5. Mais bon comme dit j'ai eu des mauvais souvenirs sur mon let's play sur Far Cry 5, vous le savez. C'est peut-être ça qui a joué. Voilà, je laisse le doute m'habiter, bien sûr, finalement. Mais bon. Et voilà. Ça, c'est fait. Le lieu inconnu, c'est par ici. Plein de sangliers.
Tac tac tac. C'est par là. Hôtel abandonné. Et pourquoi pas. Oh waouh, c'est beau. Oh, trop mignon. On est sur The Last of Us ou quoi? Oh, c'est vraiment chouette. Oh, c'est vraiment chouette. Et bien voilà les amis, nous avons terminé cette magnifique zone. Attention. Encore un peu de spectacle. Voilà. Alors attends, parce que c'est pas fini le spectacle. C'est pas fini le spectacle. Hop. Hop. Et hop. Et voilà, personne n'a rien vu venir. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Bon, on connaît tout ça, bien sûr. On refait le tour de la map et il spawn à l'infini. C'est génial. Allez, hop, ça dégage. Hop, un petit coup de couteau. Et voilà. Aïe! Oh, le bâtard. Venez voir, venez voir, venez voir. À la one again! Ah, malaise. Oh, le malaise. Oh, le malaise. Vagal. Ah, c'était pas si ouf que ça, ce qui s'est passé. C'était vraiment décevant. Hop, hop. Paf. Voilà. Voilà. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Tu ne mérites pas de mourir. Tiens. Par contre, t'as une sagaie dans le crâne. Voilà. C'était pas top en vrai comme, comme image. Et bien voilà les amis. Bah, j'espère vraiment, sincèrement, que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment. Moi, je me suis régalé. Épisode chill. Et pourtant mouvementé. Prochain épisode, on continuera un peu dans le délire. Mais en se rapprochant tout de même évidemment de la suite de notre incroyable aventure. Voilà, on va essayer de remonter par ici bien sûr. Ah, c'est vrai qu'il y a une belle zone à explorer là également. Mais il y a aussi une zone à explorer là finalement. Donc je sais même pas finalement par quoi on va... Parce qu'en fait j'ai peur de commencer trop tôt ça et de, du coup de finir le jeu plus vite que prévu. Si je ne rage quitte pas bien sûr. Et il y a encore là la grotte ici à explorer. Des zones, ouais, donc peut-être plutôt que prochain épisode, si ça vous va, hein, bien sûr, peut-être plutôt explorer cette zone-là un peu secondaire, éventuellement, sans faire cette chasse nulle, là, franchement, je n'ai pas envie. Puis voilà, on pourra explorer cette zone-là, et là, on monte au fur et à mesure, et là, on pourra commencer à attaquer. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, les amis, vraiment, merci à vous infiniment. Le like qui fait plaisir, c'est la récompense. Et puis nous, on se retrouve évidemment très très vite. Pour la suite de cette incroyable aventure sur Far Cry Primal, plein de bisous, c'était Mkolo, ciao tout le monde.